Il est l'un des penseurs de gauche les plus originaux du moment. Encore mal connu du grand public, Bernard Friot est l'auteur d'une œuvre puissante qui renouvelle en profondeur les concepts de l'économie politique. Se plonger dans un livre de Bernard Friot est en soi une révolution du regard. Votre vision du travail bascule, votre conception de la justice sociale devient plus exigeante, le vrai terrain de la lutte vous apparaît soudain avec davantage de netteté, la vraie logique à l'œuvre derrière les réformes libérales se dessine. Lorsque Croizat, ministre communiste du Travail, met en place le régime général de la sécurité sociale avec les militants communistes de la CGT, il crée un régime de retraite totalement antagoniste de celui de 1930 qui avait été créé par la loi sur les assurances sociales. Au lieu que chacun ait un compte dans lequel on comptabilise ses cotisations et qui va être la base de calcul de sa pension, et qui veut donc dire que le retraité a le différé de ses cotisations, hein, il ne dépense pas tout son salaire et il récupère à travers les cotisations des autres lorsqu'il est en retraite, ce qu'il a mis au pot commun quand il était lui-même actif. Ce que fait Croizat, c'est diamétralement opposé à cela. Les retraités ont droit à 75% de leur meilleur salaire brut. On est donc dans toute autre chose. Il ne s'agit pas de différer une partie du salaire non consommé, il s'agit d'affirmer le droit au salaire des retraités. –